adventures of war with the nature revealed and our chances flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that crippled wings beating the sky, the heart
harbingers of war with the nature revealed, and our chances flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that Les ouf. Allez, que ça va de nous. Allez. Et... Ouais. Absolument d'off-pay.
petit réglage qu'on peut apporter. Je crois que je... Ah, je peux tirer FPS. Il est là. Hop. Hop. Il est un petit. Il est pas en plein écran. Là oui. Contrôle. Il se joue jamais aussi. Wow. C'est le faux clavier. Nouvelle partie. Pas le son. Ah oui, bah, nouvelle partie. Alors oui. Qu'est-ce que ça va donner? Ça pour trouver à bouger. D'accord, donc on se retrouve ici. On sait pas pourquoi. WSD et ça marche très bien. D'accord. Okay. Sur le chemin. Le sens bucolique. Ah, je vois mes pieds. Mon pied.
Je suis allé au bout du truc là, je sais pas où il faut passer. Ah, J. Alors, enfin, après 2 heures de marche dans le bois, je suis arrivé. L'automne approche et là, déjà plutôt froid. Ici, je peux voir mon vieux chalet au bout de la vallée. C'est un héritage de mon père. Il aimait la nature comme moi. Lui passait la nuit et demain matin, l'aube, je partirai pour arriver au sommet du mont, là où est située la grande croix près du précipice. De là où le panorama sera prodigieux. Contact à la nature est ce dont j'ai besoin pour réduire le stress de cette période. Ok. Reste que. On peut tomber? Ah oui. Je crois qu'on peut tomber. Je sais pas du tout où on continue. Hein. Par là, peut-être. En tout cas, c'est bien foutu. Hein. C'est propre. Hein. Sinon, il faut que je rejoigne le chalet. Ok. Sauf que je pense qu'il est parti un peu tard, le monsieur, parce que... C'est bien foutu, hein. De bois. La hache peut-être. Hein. Ah, il me dit qu'il y a assez de bois dans le chalet. Et, écoute, une de plus. Okay. On continue. Hein. Ça regarde autour. Ouais, ça regarde autour. Salut Farfadé, comment vas-tu? Ah, on change d'ambiance là. C'est vrai que le sol est pas mal fait aussi. C'est propre pour ouais. Après ça va peut-être se gâter. Là pour l'instant c'est calme, mais j'ai bien testé des jeux comme ça plus que indépendant parce que c'est un seul mec qui a fait ça.
qui a sorti deux jeux pour l'instant. Un qui m'intéresse, c'est The Alien Cube, qui est pas mal du tout. Mais avant The Alien Cube, il avait fait celui-ci. Et donc, je voulais tester pour voir la progression un peu entre les deux jeux. Déjà, c'est propre hein, pour un seul gars. Ah, je vais te bloquer. Bloquez pas. Alors, je passe. Ah, bah ouais. J'ai retrouvé mon chemin. Si tous les biomes seront aussi bien rendus que celui-là, mais là pour l'instant ça me rappelle un peu Edenral, le mode de Skyrim. Un peu plus d'herbe. Ah. On arrive au chalet. Ouais, les effets de lumière sont pas dégueux, franchement. C'est plutôt bien fait. Du coup, c'est le chalet que je cherchais. Alors, clic gauche pour interagir avec les objets. J'imagine que c'est la porte. Marteau. Une caisse. C'est le chalet. Ah, cheminée. Ah, il faut qu'il trouve des allumettes. Ah, mais c'est fait. Ok. Parce que ça va pas rester bucolique comme ça, hein. Ça va forcément se gâter un peu. Puisque, d'après ce que j'ai lu... ça ressemble quand même... Il reprend quelques thèmes de Lovecraft, quoi. Donc ça va vite tourner court. Ah, d'accord, c'est le H pour tenir l'aide du protagoniste. On peut allumer la cheminée? Yes. Ah, maintenant il doit prendre de l'eau pour la nuit. Ok. Le puits n'est pas loin, on va faire du chemin dans le bois. Du chemin dans les bois. Oh, c'est bien foutu. Est-ce que je peux prendre... Ah, je peux prendre cette eau, j'ai ça là. C'est bien foutu quand même. C'est pas mal, hein. Il est où le puits? Attends, on va peut-être suivre... pas repérer. C'est quoi? C'est Koh-Lanta quoi, il faut repérer l'eau de suite. Ah, c'est sûr, le portail il passe pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je vais trouver mon puits? Ouais, j'ai l'impression. C'est ici? Yes. Ok.
Ouais, le bruit quand tu marches sur la tôle et tout. Pas mal. Il sait courir? Ah oui, il court. Se faire. C'est une sphère. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pose où le saut? Tu poses là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Salut Yuki! En gros, c'est un jeu d'exploration avec des... Je pense que ça... Il peut y avoir des moments où ça fait un peu peur, mais... Pour l'instant, ça va. Le personnage est parti se ressourcer un peu dans le chalet de son père qui est décédé. Et donc, en allant chercher de l'eau au puits. Il y a une sphère qui est apparue. Faut aller voir, je sais pas. Qu'est-ce que c'est ce truc? Toucher l'objet. Ok. J'ai touché la sphère. Loading. Je pense que c'est. J'espère que c'est pas une cinématique. Allez, je me retourne. Enfermé. D'énergie. Enfermé. D'accord, ok. Bon, maintenant je vais sortir. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Il y a du sang, c'est quoi ce sang? Je vais sortir d'ici. Casser les cadenas. Hein?
Non. C'est fermé. Ah ouais. Pour le coup, c'est pas la même ambiance qu'au départ, là. Qu'est-ce qu'il dit? Il semble être une création de lui-même. Quand j'ai touché, je me fus. Une forte lumière blanche, je me suis vraiment commencé à se déformer, à se plier. Ah, je dois absolument chercher de l'aide et comprendre ce qui s'est passé. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est spécial, oui. Ah oui, je me tire. Au départ, c'était très sympa, c'était bucolique, c'était plein de jumeaux. Et là, je pense que c'est cette sphère au milieu. C'est quoi, des extraterrestres, des démons, des quoi? Je n'ai pas regardé de vidéo dessus pour pas me spoiler. Mais dans les tests écrits que j'ai vus, il n'y a pas de spoiler non plus. Alors, je sais pas trop ce qui m'attend. C'est bien foutu. Putain, l'eau sur le sol. C'est. Parce qu'il n'y a qu'un développeur derrière. C'est le mec qui touche sa bille quand même. C'est ça. On va aller vers le brouillard. Où je vais, mais j'y vais. Ah, une câble électrique, la civilisation. Qu'est-ce que c'est? Il y a la lumière dans la maison. Demande de l'aide immédiatement. Interrupteur. Il marche pas. Alors, donc, ils ont trouvé un livre codé.
Ils ont réussi à déchiffrer. Ils sont en train de déchiffrer. Et en fait, apparemment, ils ont découvert une machine aussi. Une machine. Un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, examine. Il y a une odeur insupportable ici. Hein? Vous avez la télé au moins, c'est pas trop mal. Reste. C'est cracra, hein. Il y a un truc, quelque chose pour monter. D'accord. Bon, on reste que la porte ici, là. Ah. Là. L'odeur insupportable, hein. Ici. On va sauter sur la gazinière pour monter. Ah, c'est pas CND là. Bon, je sais pas. Attends, on va essayer sur le tour. Ah merde. C'est de faire le tour, mais... Oh, tout est fermé. On va sauter. Un petit solier. Non, c'est pas ça. Bon. Trouver une échelle quelque part. Ici. Ici, ce truc. Non, mais la flaque d'eau, elle est bien faite. L'électricité. Je sais pas comment on peut monter là. Attends, si je vais ici, c'est la porte qui donne à l'extérieur. F. Je dirais que oui, mais. On dirait des photos, des trucs. La baraque, on dirait des photos. C'est tellement... C'est photoréaliste en fait. C'est un logiciel, c'est pas possible. Pour avoir une... Un placard qui s'ouvre. Je dois trouver quelque chose pour monter. Faudrait que je trouve une alerte quand tu viens comme ça, tu sais, comme quand il y a le cirque qui passe dans le village là. Le cirque Zapata, le cirque Zapata, le cirque Zapata cet après-midi dans votre ville, hein, le cirque Zapata. Je sais pas comment monter là. Je sais pas. Ah, échelle cassée. Aïe aïe. Échelle cassée en deux. Ah merde. Ah ouais, mais. Qu'est-ce que j'en fous là? Ah, qu'est-ce qu'il me dit, lui, voyons. Quelque chose pour monter à l'étage. Il y a une trappe pour monter, mais l'échelle est cassée. Je dois trouver une échelle ou quelque chose pour monter, mais où est-ce que je peux chercher dans un dépôt? Ouais, là, c'est un dépôt.
Ah, c'est bloqué, là. Tout est bloqué. Un dépôt. Dépôt, dépôt. Je sais pas. On continue. On trouve un dépôt. C'est bon. Qui me tombe sur la gueule, mais dépôt. Une ombre. Je veux bien, mais dépôt, si tout est fermé, je fais comment pour trouver le dépôt? Même si je trouve, comment je fais pour rentrer? Une échelle.
ça bouge dans l'air, voilà. J'ai des chaleurs. On va revenir à la maison. Ah, et mais... Salut Willy! Comment on va? Là, il faut que je reparte. Heureusement, je peux courir un peu. C'est bien quoi ça? La journée, ça s'est bien passé? Pas se perdre parce que là après c'est foutu hein. Et fatigue. J'ai trouvé l'échelle, c'est déjà bien. J'espère que ça en valait la peine hein, parce que fermé là, il fait froid là. Ok, échelle. Yes. Oh putain. Ah, je savais que ça allait pas rester tranquille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Le sang est engouffré, il n'y a aucune trace de tissu d'organe. Et les os sont maintenus par une étrange résine visqueuse. Non. Un livre ésotérique. Ouais. Ouais, c'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a une page. Alors, ceux qui ont écrit le livre ont utilisé un code que nous n'avons jamais vu. Il est très complexe sans utiliser aucun schéma logique. Chaque page est écrite de façon différente des autres. Les dessins, toutefois, sont faciles à interpréter. Nous avons un état important. Il semble que la machine existe depuis l'origine des temps, créée par le grand ancien lui-même. Si c'est vrai, l'arrêt de fonctionner de la machine pour aller au-delà de nos attentes, je suis convaincu qu'à travers l'aide de ce livre, et avec les connaissances que nous avons élues, alors en réalité, nous réussirons à découvrir ces secrets. Qui c'est cette histoire? Qui c'est? Cool. C'est l'espace de masque là, de buste. Tu vois le buste? Terrible créature et tentacule. Ouais, c'est un alien, c'est quoi? Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait au type, mais non. Alors ici on a quoi? Une porte? Ah forcément. Bon alors maintenant il faut faire quoi? S'il me dit. Ah il sait pas. Ah, H pour de l'aide. Allez, il sait pas. Livre. Bon. Canette. D'accord. Bon, ben voilà. Ok. On va descendre. Échelle cassée. Ouais, on connaît, ouais. Ça y est.
Oh. Salut Brian, comment vas-tu? Il a balancé un mec et le mec s'est fait balancer. Oh merde. Ouais, très bien. Très bien. Rugueuse et épaisse au toucher comme du cuir. Ah, une clé. Yes. Et donc. Attends, je suis en train. Alors, cette clé. Ouvrir la porte. Attends, je peux lui t'en lire. Donc, attends, la cabane dans le bois. Ici. Voilà. Il s'est fait démonter lui. Ah, je peux pas y aller. Je peux pas aller voir. Ah, si. Bonjour. Ah, il veut pas rentrer. Ouais. Il veut pas rentrer. Tu m'étonnes. Alors, une maison. Une maison. Laquelle je vois maison. Ah, il a noté quelque chose. Je suis en train de dire quoi, je commande quelque chose à tuer ce pauvre juste devant mes yeux, en le jetant à plusieurs mètres de distance. Je me suis approché du cadavre et j'ai remarqué que sa peau était très étrange. Mais ce que j'ai vu dans cette. Mais ce que j'ai vu dans cette maison qui m'a profondément bouleversé, qu'est-ce qui peut avoir fait subir ce genre de choses à une personne? Il y a du sang partout, les autres tenaient ensemble en étrange substance. Alors, je dois me dépêcher de trouver un lieu sûr où je peux passer la nuit. Ouais, je crois que c'est ça, Brian. Je vais courir bientôt. Je le sens arriver, ça aussi. Il fait de plus en plus nuit. Alors j'ai vu une cabane, mais est-ce que c'est celle-là? Je sais pas. C'est du château, non? Comment s'est passé ta... J'ai entendu un bruit là. Comment s'est passée ta journée? Putain mais... Puis j'ai psychoté à force hein. Si, je peux rentrer? C'est le bad. Ah, je peux pas l'ouvrir. C'est pas la clé qui fait. C'est pas cette clé. Bon, alors. Moi je dis. Puis de la falaise.
va y avoir des problèmes. Ah, le panari. Le panari. Alors, méthode de grand-mère à Châteauneuf. Tu fais chauffer. Tu fais bouillir de l'eau. Et tu mets un peu d'eau de javel dedans. Et tu fais tremper ton doigt dedans. Ça va le faire mûrir plus vite. Maison au pied de la falaise. Oh, vraiment. Il y a des trucs qui bougent en l'air. Ah, il y a du sang. 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 Ah, du sang. Oh. Conne mouche, elles sont nouvelles. Yeah. Yes, c'est celle-là. Ah oui, c'est le mariage de Cathy, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quel escalier ? Oh, j'ai la lanterne. F pour allumer attention et lanterne allumée, tu seras plus visible. Beaucoup plus visible. Ce bruit. Putain, il suffit de dépouiller l'autre. Putain, ça ferme la clé. Se cacher. Pas se cacher. Moi, j'ai bien compris, il faut remonter quoi, c'est ça. Ah mais on ferme l'intérieur. La clé. Ah, une graisse lubrifiante. Mmh.
couper des bonhommes ou quoi? C'est quoi ce délire? Bon. C'est long de la scène de couleur de conduite, quoi. D'accord. Enfin, mais c'est long. Je peux exploser d'un moment à l'autre. Gaffe quand même parce que... Putain, il y a... Il y a un choix qui est... Je crois qu'il y a un truc là. Je suis arrivé comme ça, il y avait du sang déjà. Papa. Ah. J'ai mis la grille lubrifiante. Il sait pas. J'ai pas de solution. Ça va. Je crois que le
L'eau, elle est encore trop haute. Il y a un conduit là-bas. Comment je peux la faire baisser? Comment je peux la faire baisser? Parce que est-ce que je passe ou pas là? On va tenter, mais je peux me faire absorber par la turbine. Ça pourrait. On va voir. Moi, je me baisse. Ça lubrifie pour que je passe dans le tunnel serré. Celle-là. Ça monte. Ah! Au secours, au secours! Il y a l'eau qui monte. Ah! 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 Je sais pas où aller. J'y vois rien. Oui, je vais mourir. Je vais mourir. Attrape. Bon, on peut mourir dans ce jeu. Effectivement. Comment ça se passe? Comprendre. Ah voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ça monte déjà? Mais je sais pas ce qu'il faut faire à la barre. Ah, je sais pas. Oh. Ok.
Ok. Oh, puis après, tu vois plus rien, c'est foutu. Tu pourrais évacuer le... Tu pourrais... C'est un squelette. Oui, je suis mort. Ah bah oui, je suis mort, mais bah oui. Le checkpoint, il va être chaud, hein. Ouais, ok. Charge une partie. On se calme. Je fais comment avec ma barre de fer, hein. La porte d'entrée reste barre. La porte d'entrée de quoi? Putain, mais ça remplit tout en fait. D'accord. Ah bah oui. Ah bah ouais. Ah, c'est foutu. Oh, l'entrée. Non, c'est pas. Ah oui, c'était ça. Tout ça pour ça. J'ai cassé ce numéro de main. La barre s'est brisée. Et maintenant, il sait pas. J. Dans ce bâtiment, mais heureusement j'ai réussi à forcer la porte d'entrée et à sortir de cet endroit maudit. La créature terrible est en train de tuer tout le monde, il me semble qu'elle se nourrisse de chair humaine, pas des os. Quoi que ce soit était là-dedans, côté de moi j'ai réussi à trouver d'autres informations. Il parlait d'un portail, mais il n'y avait pas plus de détails. Si je veux survivre, je dois en découvrir plus et faire attention à tout mouvement ou plus suspect. Celui-là, je n'ai pas d'autre choix que de continuer dans le bois, mais il me semble quelque chose en or qui bouge juste après des arbres. La salle jusqu'aux ruines. Ça
Sinon je peux pas y monter. Ah ouais? Moi ça me rappelle un peu Blair Witch. Sans le chien. Des ruines. Oula. Le vieux réflexe qui m'a sauvé la vie. C'est un buste qui est enfermé là, je sais pas, il était ici. Sacré souche, hein. Des cercueils. Alors, personnellement, nous obtenons de plus en plus d'indices que nous sommes et ce que nous sommes en train de découvrir très intéressant. Quand la pierre disposée en sel dans le bois, sous l'ancien monolithe, il y a un lien entre elle et la machine des seins. On peut avoir fait deux gros pylônes au centre et le monolithe et il semble avoir ça fait un quantité d'énergie de machine en mieux précis sur une petite plateforme circulaire. Les pièces métalliques que nous avons trouvées dans la chambre secrète semblent faire partie de cette structure qui était démantelée. Nous essayons de reconstruire cette mongolité par les anciennes pierres. Ok. K. Mais d'accord, on voit bien les. Ah. C'est là où j'étais emprisonné au début. Enfin au début. Ils sont partout. Et donc après. Non, je pense que sur le chemin on arrive ici. Je suis pas sûr en fait. Je sais pas si on a rien. Attends, ce petit chemin passait par où là? Je pense que on contourne. Ça peine, ça peine une Noël là, ça y est, on peut le récupérer celui-là. Bon, j'ai pas vu quelque chose de
foncièrement intéressant. Est-ce que je peux ressortir? Oui. Ok. Il n'y a rien ici. Du chemin, donc on va essayer de reprendre dans la ruine et puis contourner comme on... Bah, pour l'instant, il est plutôt sympa. Ici, il est un peu chelou. C'est un peu bizarre. Mais c'est pas mal. Une pieuvre. C'est Poupi. Qu'est-ce que c'est? On descend par là. Ça va pas l'air très stable cette histoire. Il y a un pont. Je pense que c'est là où ils se sont barrés. Ça correspond. Ouais. Je dis des conneries. Mais... Mes amis et moi chercherons un abri dans la vieille mine abandonnée pour nous cacher cette créature. C'est la faute des élus, cette fois encore. Nous ne pouvons pas vivre de cette façon à chaque fois en payant pour la curiosité. Ces derniers jours, ils étaient excités, ils ont sûrement découvert quelque chose d'incroyable. Évidemment, ils n'ont rien dévoilé. Mais j'ai vu que l'un d'entre eux, celui qui vit dans les tables, a des documents qui concernent ce mystère. J'ai voulu ses clés pour en faire une coupure et faire une glisser dans sa maison, mais tant que cette créature est là-dehors, nous resterons cachés. Pourquoi il veut aller dans la minuit? Non, non, non mec. Non. Il me permet de franchir le fossé. Il veut faire comment hein? J'en dis. Je vois rien. Il faut une planche ou... Une planche ou... Une échelle ou bouge pas. C'est trouvé ça. Surtout ne pas sauter. Une barque. Il est absolument à la mine. Ouais. Je peux probablement trouver une proche de l'édifice. Ruine. Statut ça. Oh putain.
Là, par contre, j'ai vu quelque chose. J'ai vu le bestiole. Ça, c'est sûr, je l'ai vu. Je ne sais pas comment. Parce qu'on a presque une heure et demie avant de rencontrer la première bestiole vraiment dangereuse. J'en travers, donc je pense pas. Je veux juste une chaîne, mais je suis pas chiant. Putain, mais il se déplace. Défense direct. C'est direct. Il faut tenter, hein. Je vais aller voir si j'ai déjà trouvé, je vais foncer. Hein. Échelle. Non, échelle. Ah, faut y aller, hein. Faut foncer là. Hein. C'est fermé. Ok, je suis bloqué. Hop, 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 hop. Hop, échelle, échelle. Parce que c'est près des ruines. Hein. À mon avis. Parce que là j'ai fait.
Attends. Passage. Il y a une barque pour se barrer là. Allez là. Mais prochain édifice. Peut-être que c'était là-bas, hein. C'est pas impossible, hein, mais j'ai rien vu. C'est Michel qui cherche, hein. Ah, une poutre. Poutre de Bamako. C'est tout mal, Freddy, pas là. Effectivement, elle était peut-être près du monstre là, parce que les poutres, ouais, ça me dit rien. Donc, j'ai déjà vu ça, ouais. Les poutres. Ok, bon, il n'y a pas de poutres. Ok. Eh bien, mystère et bout de gomme, hein. Le saut est pas trop mal, c'est pas trop pourri, parce que dans ce genre de jeu en général, ouais, marche bien. C'est assez véloce. Alors, poutre, je vois pas de poutre. C'est le temps que je puisse monter là. C'est le glitch. Le glitch qui fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Sceptique. La ruine, je crois plus trop là. Ouais, c'est une espèce de pieuvre, c'est un peu de buste quoi. Je sais pas, près d'un édifice. Près d'un édifice.
dessus. Hop là. Bon, j'ai l'impression que ça soit stable. On va essayer sur celui-là. De poutre, moi. Prochain édifice. Pourtant, ça semblerait logique. C'est une ruine. Les poutres, quoi. Logique. Ouais, je trouve. C'est vaste quoi. C'est très vaste comme truc. Hein. Fatigue leur histoire de poutre là. Parce que si c'est pas là. Je les repasse de foutu poutre. T'as pas un chemin là. Y'a pas le chemin. Il y a les cercueils, tout ça là. Ah. Ah, toujours la même chose ou quoi? Ça se complique. De poutre. Alors, près d'un édifice, si c'est pas près des ruines. Je vais partir chercher une poutre du côté de l'affreux là-bas. Et là, tout de suite, ça va être moins drôle.
oui, les poutres. J'en suis pas sûr. Me faire défoncer, ça oui. Ah. Sur le bâillement, ça y est. Bon, quand même. Où est-ce que peut être cette foutue poutre? Oh, c'est vraiment... Ah, ah, ah. C'est une poutre, ça. C'est le bas du truc. Planche. C'est pareil. Ça passe, oui. Je vais aller voir parce que ça me saoule. Je vais pas quitter mon écran. C'est une blague. C'est une blague. Proche de l'édifice. Si elle était là, je pense qu'on allait trouver, ça c'est sûr. Ah non, je suis bloqué là. Je peux plus revenir en arrière. La poutre elle est forcément ici. Je peux pas revenir en arrière, je pensais que j'allais refaire les... Ouais, bon. Je pensais que j'allais pouvoir refaire les anciens bâtiments que j'ai fait. Et visiblement... frotter la bestiole là. J'ai bien peur. Non. C'est même sûr ça. Sûr et certain, mais le problème c'est que je l'ai pas vu là-bas quoi. Je l'ai pas vu. Oups là, il a tombé. J'ai tourné comme un idiot là. T'as pas 34 chemins quoi, c'est
ça va être la quinte là. Ça donne quoi? Puis je vais le passer à lui. Hein. Oh. Oh putain, mais on va défoncer direct. Oh. S'approcher du monument, ouais. Absolument la mine. Absolument, absolument. Ça, je pense, c'est la prochaine destination. Ouais, je suis bloqué. Faut que je trouve l'essence. C'est quoi qui est au-dessus là? Chelou ça. Bon. Faire ici après chez le monument et la bestiole. En même temps je me dis que si j'ai la bestiole j'ai la poutre. On protège forcément quelque chose hein. Ça me dit que quoi là?
pas vide. Les ruines. Ah, il a l'auto qui brille. Vas-y. Choc l'échelle, j'ai galéré. Alors là. Ouais, bon, de toute façon. Je la vois pas leur foutu poutre. Je ne la vois pas, je vois pas pourquoi il y a une poutre là en fait. Je vois pas. C'est un petit poutre, une poutre. Qui brille devant, hein. Oh, je suis en train de chercher, là je prends la grappe, putain. Ça va me faire mal. Ça va me faire bobo. Putain, il est rapide. Il est super méga, méga gila, rapide. Je suis pas de poutre, question. Je suis à la grappe quand même. Wow. Oula. Ah oui, il y avait des pics.
Attends, c'est lui, c'est là. Est-ce que je peux aller en haut? Je peux prendre un truc, une prochaine édifice. Démerde-toi avec sa terre. Viens. Bon, c'est de leur monument. C'est fermé. Je vais tester une dernière fois du côté de la ruine. Cherche sur la mine et puis voilà quoi. C'est une neige sèche là. Vidéo. Puis-je avoir ma. Et c'est coupé le jeu. Et c'est coupé le jeu. Je vais voir quand même la Soulius. Juste un petit coup d'œil, quoi. Parce que ça me travaille ça. Of pain. Hein. Alors, ouais, il se promène.
Ouais, je suis l'idée au Queen. Là. Comment il fait pour mettre là? Oh, il est dans la mineure, ça sert à rien. Où est-ce qu'il a trouvé sa arme? Sa poutre, hein. La poutre quelque part. Il l'avait déjà. Cherche la poutre. Où est-ce que c'est de poutre? J'ai trouvé ça lui. Je trouve une espèce de pont. D'accord, j'ai pris une cabane. Ok, bon. On va essayer de s'y remettre, hein. Va essayer de relancer ça. J'ai pris une cabane. Alors reprends-moi. Donc c'était près du pont qui était pété, mais pas celui d'un mine, l'autre. Donc c'était bien dans la zone de la. Il y a le monstre. C'est certain. C'était pas les ruines. Alors, je vais reprendre où? Attends que les textures chargent. C'est une plus longue à charger les textures. Ne recharge plus. Si. Alors. Alors que je reporte. Pas sûr que ce soit là, moi. Attends. Là, je trace par ici. J'arrive où là? Au tracteur, d'accord, ça fait le tour.
passé sur le côté, j'avais contourné le monument là. Ça, ça y ressemble. Qu'est-ce que j'ai foutu? On va éviter. On va éviter. Logiquement, il va y avoir le côté où il y a le pont qui est défoncé. Tu me souviens bien? Ah, ici. Eh oui, j'y ai pas été. Elle est là. Ok. Elle est ici. Donc j'ai ma planche. Et là, si je vais là, je vais au pont. C'est ça. Il faut contourner, tracer pour l'éviter. Arrivé, je combine. Oh putain, il est déjà là. Ok, ça va être un oh, je suis en bout de map. Voilà. Ah ben, j'ai de la chance. Le checkpoint m'a sauvé. Alors, je pense qu'en continuant sur la route, ça va être plutôt safe. On va essayer d'éviter quand même. Là ou pas, voilà. Le bâtiment est là. Bon, je vais être obligé de le croiser au minimum, ça c'est sûr. Je vais être obligé de me cogner, de contourner au maximum. Le tout de retrouver la route. Voilà. Et là, il faut que je l'évite. Hop, il n'y a pas à chier. Il faut que je traverse. Parce qu'après, ça va mener aux mines. Voilà. Alors, j'espère qu'il va me sortir devant la gueule. Je l'ai vu disparaître, là. Ok. Je pense que c'est bon, on l'a esquivé. Donc là on a la poutre. Ça c'est fait. On a la poutre. Donc on va pouvoir accéder aux mines direct. Contre une créature terrifiante, j'ai réussi à fuir par miracle. Mais qu'est-ce que c'était? Il me ressemble à une créature que j'ai vue. Il possède une étrange capacité qui permet de disparaître complètement. Je compte donc qu'il soit derrière moi à tout moment. Si je veux suivre, je dois faire attention à chaque moment où pourrait suspect. Il n'y a trouvé personne qui demande de l'aide, mais il y a peut-être une chance. Il me semble que certains individus appelés élus sont directement impliqués dans les événements qui me concernent, plus précisément dans la sphère qui m'a amené ici. Je ne dois pas me faire opérer par ces individus, mais d'après ce que j'ai compris, le reste de la population contre eux, ils pourraient m'aider. Peut-être qu'il y a quelqu'un de vivant dans la mine. Alors, on va aller avec la planche. Ok, je peux passer. Voilà, sauter. On est bon. Hop. On va passer.
il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée. D'accord. C'est pas du tout. Il y a que chiche. Aucune trace des gens que je suis quand même. Très particulier. Passer. Porte. Et ma clé. Bon. Une trace des gens que je cherche. Ça passe ça. Non. Ça passe pas. Merde. Et ça passe. Voilà, ça passera pas, c'est sûr. Warning, no trespassing. C'est clair là. Parce que là... Oula. Oh le labyrinthe. Ah, du sang. Oh, il y a encore la bestiole là. C'est pas là.
Bon. Truc, hein. Oh, il va falloir le suivre en fait. Rouillé. Qu'est-ce que je foutais avec une clé rouillée, moi ? J'ai pas trouvé les portes. Le wagon, on peut la pousser. J'ai absolument rien.
Je l'ai vu. Et là, on fait le tour, on tombe sur les éboulis. Je suis bien revenu en arrière quand même. Cette porte là? Cette porte. Oh putain. Il y a une porte ici. Une scie pour couper les planches. Voilà. Tout connement, c'est ça. Ouais. C'est pas cool. Ouch, j'ai la chance, j'ai eu beaucoup de chance là. Je sais pas quoi ça va m'aider d'ouvrir, d'allumer toutes les lanternes, mais je suis pas sûr que... J'ai trouvé un secret. Là, j'ai tout fait. La suite. Ah. J'ai pas de sortie là. Hop, c'était quoi?
L'ancien ami qui était barré, ben oui, c'est effectivement là où je suis. C'est là, hein. La pioche, c'est pour déterrer le gars là, c'est ça? T'as la thune écroulée. Ok, d'accord. Alors, comment ça marche ça? Oula, oui. Trop bourré là, doucement. Là. Ici, là. Alors par quoi pour retrouver où était le truc éboulé, ça va être une autre histoire. Alors attends, je suis passé par où, ça m'a ouvert quoi? Ah, les fameuses planches. Les fameuses planches sont là. C'était là-bas, je crois. Ah putain, non, c'est de l'autre côté. Bordel. Ça. Je dirais que c'est par là. La première à gauche. J'entends les coups de leur cri qui bruit dans la profondeur de la montagne. J'espère seulement qu'il ne réussira pas à entrer ici. Et quand il sera parti, j'essaierai de lui dégager les commandes. Sauf que... il n'y a pas le temps.
Ça va être chaud. Ah mais je vais avoir Claude Guillaume pour chasser, ça c'est sûr. Il faut que je sois rapide. Hein. Oh bordel. Oh bah ben là. Oh c'est ça. C'est pas ici. Tu lâches la nappe. Ça passe. Yes. Yes, yes, yes. Alors, hop là, ça passe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on a bien progressé. La mauvaise, c'est qu'il faut repasser par le. Par l'autre affreux là-bas. C'est mon coup là. Ce qu'il veut que je fasse, c'est que marteau et un burin, lui.
Ok, il se couche là en fait. D'accord. Une connexion avec notre monde. Donc en fait c'est ça. C'est les entités qui viennent de notre dimension. Dans la pièce. Ok. Est-ce qu'il faut récupérer l'essence là? D'accord, récupérer l'essence. Ok, carburant gelé. Continuer, hein. On va se le continuer parce qu'il est top, il est pas mal. Pas mal du tout.
Alors, quitter. Oui. C'était pas mal du tout. C'était vraiment sympa. Comme jeu. Ouais. J'ai bien aimé. Dans le genre. Allez. On va aller se reposer. Demain, ETS2. Je le fais demain parce que mercredi, c'est The Forest avec Lilith. Passez une bonne nuit.